Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très très bien. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis une personne handicapée. Et aujourd'hui, on va ramasser les déchets par terre dans un centre. C'est tout de Paris, Annie, Annie, je sais pas comment on dit. Donc je vais ramasser les déchets par terre, tout ça. Alors, ce serait peut-être dans cet endroit-là, l'endroit où je suis là, ce serait peut-être la dernière fois où je vais ramasser les déchets par terre, parce que apparemment, là, c'est un centre. Dans ce centre-là, ils ont trouvé une association pour ramasser les déchets par terre. Donc, ils ont déjà trouvé une personne. Donc là, je vais ramasser des quelques endroits. J'ai pas tout ramassé parce que ouais, ils ont dit que ils m'ont dit de ne pas tout ramasser. Donc quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, je vais faire des vidéos assez bien quand même. Je vais bien articuler, je vais bien parler, je vais pas répéter plusieurs fois. Je fais attention de pas répéter et je fais attention d'articuler un petit peu, de parler mieux. Oui, donc il n'y avait pas de vidéo sur ma chaîne YouTube parce que j'ai eu des problèmes. Voilà, j'ai eu quelques problèmes. Il n'y a pas de vidéo parce que c'était les vacances et c'était la fête de. En décembre, il n'y avait plus de vidéo parce que c'était les vacances et c'était Noël, tout ça, la nouvelle année, tout ça. Et ensuite, la mauvaise nouvelle, il n'y avait pas de vidéo parce que je me suis cassé le quatrième orteil. Et oui, je me suis cassé le quatrième orteil. Et bah, comme je me suis cassé le quatrième orteil, bah, je pouvais pas faire de pêche à la manche, je pouvais pas faire de la pêche au grappin. Je ne pouvais pas non plus ramasser les déchets par terre. Et là, j'ai fait une radio. Ça fait depuis un mois que j'ai l'orteil qui était cassé. Quatrième orteil qui est cassé. Et là, maintenant j'ai fait une deuxième radio et mon quatrième orteil est presque guéri. Est un peu fragile, mais il faut que je fasse quand même attention pour pas me casser l'orteil et pour pas faire un geste brut, non quoi. Écoutez, donc voilà, c'est pour ça. Et y avait pas non plus de vidéo parce que j'entends de chercher du boulot. Voilà, ça y est, j'entends de chercher du boulot. J'ai fait une demande à la mairie de Paris pour faire éboueur, pour faire entretien des éboueurs et entretien des parcs à Paris. Et à la mairie de Paris, ils m'ont contacté, ils m'ont dit que j'ai fait des épreuves, j'étais en rendez-vous pour faire des épreuves pour faire éboueur. Mauvaise nouvelle, la mairie de Paris m'embauche pas pour faire éboueur. Et donc j'ai refait une deuxième demande pour faire entretien des parcs. Et j'ai fait des épreuves, j'ai fait des concours. Enfin, j'ai fait des épreuves, j'étais en entretien pour faire entretien des parcs. Et maintenant, bah, j'ai eu la réponse pour entretien des parcs, c'était bien passé. Le rendez-vous s'était bien passé. Et là, il faut que j'attends encore une semaine ou 2 semaines ou un mois ou 2 mois ou 3 mois ou je sais pas quand. Mais il faut que j'attends pour voir si ils m'embauchent ou pas. Donc là, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de regarder s'il y a de la place ou pas pour m'embaucher. Mais c'est déjà une bonne nouvelle, c'est que voilà, là j'attends la réponse quand je vais travailler et quand je vais être embauché. Donc ça veut dire que je vais peut-être travailler entretien des parcs, quoi. Et voilà, donc ça veut dire que je sais pas si je pourrais faire des vidéos quand je fais entretien des parcs, mais voilà, j'ai fait la demande et puis voilà. Donc si je travaille, ça veut dire que si je travaille, ça veut dire que je pourrais faire des vidéos que le week-end, donc quoi, le week-end, ouais. Donc quoi, pour l'instant c'est une bonne nouvelle, donc quoi. Mais je peux pas vous dire plus parce que je sais pas la réponse, donc je sais pas si c'est bon ou pas. Donc quoi. Allez, est-ce que je peux vous dire, est-ce que je vous dis un autre truc? Non, je crois que c'est bon. Donc on va commencer à ramasser les déchets par terre. La vidéo, je vais l'accélérer. La vidéo, je vais accélérer la vidéo.
Et puis voilà. Allez, à toutes. Et je vais couper la vidéo pour pas que la vidéo sera trop longue. Allez, à toutes. Ah oui, juste pour vous dire aussi que voilà, mon intro a changé. Mon intro a changé parce qu'en fait, au début, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Paranormal Journaliste. Mais comme j'ai pas d'idée sur ma chaîne paranormale, bah, ce que j'ai fait, bah, j'ai changé. Je veux pas faire une vidéo sur ma chaîne paranormale, je veux pas faire de vidéo. Et donc j'ai rechangé ma chaîne, mon intro, donc quoi. Allez, c'est parti. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et un commentaire. Et à toutes. On continue la vidéo, je ramasse les déchets par terre et on y va. Allez, tiens, tac, c'est parti. Ça y est, donc fini, j'ai fini de ramasser les déchets. Bon, il y en a encore au fond, tout au fond, il y en a encore, mais l'endroit où je suis, l'association me disait que le centre là où je suis, là, juste là, il y a un centre, me disait que c'est pas à peine que je ramasse tout au fond parce qu'il y aura une association qui va ramasser des déchets par terre, donc quoi. Peut-être que je vais vous montrer. Voilà, donc ça. Tout ça jusqu'à là-bas, ce serait pas la peine. Enfin, pour l'instant, ce serait pas la peine parce que c'est pas la peine que je ramasse parce qu'il y aura une association qui va ramasser. Donc là, il y a un rouleau de toile, il y a un sapin, il y a ensuite tout ce qui est là, tout là-bas, il y a encore plein de déchets. Il y a un panier, il y a un caddie, il y a une valise, tout ça. Donc tout ce qui est là, l'association va ramasser. L'entreprise va ramasser.
il y a une chaussure, des paires de chaussures, tout ça. Donc voilà. Là, c'était un peu trop dangereux, c'est un peu trop dangereux pour moi. Comme mon pied n'est pas encore guéri, il n'est pas encore guéri, c'est un peu, ça peut être dangereux pour moi, donc quoi. Donc voilà, donc moi c'est ce que j'ai ramassé, c'est j'ai ramassé tout ce qui est ici là, tout ça c'est ramassé. Là c'est pas ramassé, mais je vais pas ramasser là parce que c'est l'entreprise qui va ramasser. J'ai ramassé aussi juste ici là et là-bas, je les ai pas encore ramassés. Donc voilà. Alors ce que j'ai ramassé deux sacs, un sac ici. Il y a un autre sac là, je pense que les sacs je vais jeter. J'ai trouvé un carton vide. Apparemment c'était un colis qui était sûrement volé. Mais voilà. Ici, des capsules de café, un sèche-cheveux, des masques, un tacos qui était jeté. Et là c'est tout ce qui est. Tout ça c'est ce que j'ai ramassé, donc quoi. Et juste là-bas. Et ensuite, juste là, c'est. Tout ça, c'est ce que j'ai ramassé. Les bouteilles que j'ai ramassées, je mettrai dans la poubelle. Et j'ai ramassé tout ce qui est. À peu près tout ce qu'il a, donc quoi. Voilà, fini. Bon, allez, je prends nos photos, je vais rentrer. Allez, à toutes. Abonnez-vous. Cliquez sur toutes les cloches et un commentaire. Je sais pas si la vidéo sera longue ou pas, mais vraiment désolé si elle était longue. Parce que je pouvais pas faire autrement. Donc quoi. Allez, ciao.